Mesdames et messieurs, bonjour, bon matin, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici Diachat avec vous pour la troisième partie de Metro Exodus Rancher Hardcore Full Dive sans hints et sans aim assist sur PC, joué avec la manette Xbox 360. On se souvient que dans la courte deuxième partie, j'ai eu des problèmes, le jeu laguait énormément, il y avait beaucoup de bugs, c'est comme si... Je peux faire une comparaison avec Call of Duty Modern Warfare. Lorsqu'on joue à ce jeu-là et qu'on veut jouer en multiplayer, il y a comme des shaders qui s'installent. Puis si on laisse pas les shaders s'installer, ça fait juste laguer. Ça faisait exactement la même affaire. Je fais changer un setting dans les options, puis il y avait un loading pour changer le setting. Puis ça prenait du temps. Là. C'est comme si je téléchargeais une autre affaire. T'sais. Fait que. Il va falloir trouver des solutions pour régler ce problème-là. J'ai fait des recherches hors stream pour régler le problème des lags qu'on a dans Exodus. Faut tout en dire une chose, ça sera jamais pire que lorsque je voulais jouer à Prototype. Ça sera jamais pire que ça. Oh non. Welp, j'ai été dans les settings, comme ça. J'ai suivi comme un petit solution pour régler ce problème-là. Ça me disait d'aller dans les settings, aller dans les settings sur Steam et dans l'onglet Endgame, tout simplement disable le enable the Steam Overlay while Endgame. Donc, il fallait juste désactiver le Steam Overlay dans les settings. J'ai pas testé le jeu pour voir si ça allait régler le problème. Probablement que non. Parce que ça serait stupide que ça soit ça. Bref, on met toutes les chances de notre côté. On essaye, mesdames et messieurs, Exodus. Metro Exodus, partie numéro 3. Père. Full dive. On va full diver dans le jeu. Ça va être magnifique. Et donc, dans la deuxième partie, notre train a fait sa première arrêt dans une zone où on n'a pas le choix d'arrêter. Hein? Il y a eu une barricade sur les tracks. Tu sais, les cinématiques de même sont magnifiques. Ça donne une bonne impression. Puis lorsqu'on joue au jeu, on peut pas jouer au jeu. Ça lag. Quand je vois les cinématiques de même, j'ai une super de bonne impression, moi, là. Je suis comme, oh, wow. Des bien belles cinématiques. Qu'on peut pas skip non plus, d'ailleurs. Sont peut-être trop belles, se sont dit, hey là, le tabarnak, vous allez pas skipper ça, vous allez regarder, vous allez apprendre. C'est pas Metro 2035. Ouais, c'est juste qu'il y a plus. Ah bon. Ok. Là, j'ai disable le Steam Overlay. On va voir si ça lag encore. On lance le jeu. Ici, ça rebug. Il va falloir qu'on optimise. The locals were none too happy to see us here. Encore. Looks like after the war, they created a veritable technophobic cult here. Encore. And its leader managed to trap me in their half-flooded church. Et encore. I have no idea what they would have done to me had they actually captured me. Le colis, but with the aid from a woman called Katya. Même le style de truc, ça lag. Ok, c'est comme hier, comme à la fin de la partie. C'est incroyablement lagué, fait que là... On va là. Style, ils ont mis ça à extrême, je peux rien colis avec ça, moi. Peut-être ultra, hein?
Et voilà, c'est parti. On download Destiny setting. Pendant ce temps-là, je vais checker sur mon téléphone s'il y aurait des meilleurs settings que je pourrais prendre. Je reviens, ce sera pas long. Anyway, ça va loader, je peux pas rien faire d'autre en attendant. C'est lagué. Comme d'hab. How to reduce lag. Bon, je vais regarder une vidéo rapide là, sur. Ça pas long. Voulez-vous sauvegarder les changements effectués, ces paramètres restaurés dans. Ben, je vais faire OK parce que ça me tente pas d'attendre 15 ans encore. Ça lag encore. C'est le plus haut possible. Comment fixer les crises de jeu. Ok, on va voir ça avec moins de main aussi. Ah, oh, c'est bien moins pire en tout cas. There you go, Artyom. C'est lagant encore, mais c'est moins pire. Une vidéo ici, mais il veut que je donne autre de quoi.
Quick and easy. Alors, regardez ça. Download and install Raven. Oui, ben tout le temps, je télécharge des calices d'affaires. First of all, make sure that you have all driver details same as the game. Okay. Je vais voir qu'est-ce qu'il va faire dans son guide. Download and install Riva Tuner. It comes with MSI Afterburner. NVIDIA V5. Ok, ça j'ai pas essayé. Une affaire j'ai pas essayé avec NVIDIA. NVIDIA V5. Les 3D, ça. Ok. Metro Exodus. Évidemment, il est pas là. Il est pas là. Ok, deux petites secondes. Et ça vient de bugger bien raide. Ok. Ça c'est fait.
dans le vidéo, il dit... Hein? J'ai pas cette option-là. C'est sûr que j'ai pas cette option-là. J'ai pas ça. Je vais essayer ça de même. Ok. Good. On va essayer de relancer le jeu, voir si c'est moins pire de même. Je veux juste être capable de jouer au jeu sans que ça lag parce que je lag. On relance le jeu, on recommence. J'ai mis les graphiques les plus bas possibles, si. The locals were none too happy to see us here. Looks like after the war, they created a veritable technophobic cult here. And its leader managed to trap me in their half-flooded church. They have no idea what they would have done to me had they actually captured me. But with the aid... Are you still here, Artyom? There you go, Artyom. As I always said, you lucked out with me. Whatever, Stina. Y'a rien à faire. Le style de jeu est au plus bas possible, ça a l'air pareil de tabarnak. C'est un rapport avec ça. Ah, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Locked out with Anna. She's a total deadeye. Now I only wish your mom. Toute la format d'image. Could come with us too. With a real medic, we'd be. Come unstoppable. Katya, Nastya. Yeah, come have some tea. Don't be shy. Ça va la remettre. On va le mettre moyen, I guess. Faire des tests. C'est parti pour une séance de loading. Il y a du monde qui ont des esti de setup là, puis ils peuvent même pas jouer au jeu. Le gars, il y a une tabarnak, il y a une 3080 Ti avec 32 GB de RAM de 3000 MHz.
Ok, il y a une autre solution ici. So you can either disable the e-car entirely. Oh! Ah, je regardais pas ce qui se passe là. Welp, je vois pas de solution qui a de l'allure. Est-ce des affaires qui disent d'updater mon ST driver graphique de tabarnak? Est-ce que c'est cave comme solution? Ça a jamais marché dans aucune sacrament de solution. Fait que c'est vraiment gossant là. Salut Renif. T'arrives au moment où ce que je suis en résoudre un problème pour un jeu qui lag beaucoup. Puis y a aucune solution pour résoudre ce problème là. On va le remettre comme qui était, I guess. Ouais, on va le remettre comme qui était. Pour vrai, les solutions qui disent de faire ça. Là. Parce qu'à chaque fois genre que je change de quoi, si ça fait un lot de mon gueule, c'est long. Si ça marche, si y a rien qui marche, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais désinstaller Metro Exodus, puis on va juste installer le Metro Exodus Binance Edition. Je pense que je vais juste faire ça. Parce que le jeu, il est juste pas jouable, là. C'est long à faire ça, c'est genre. Le jeu il prend 80 gigs puis il est mal optimisé, c'est nice ça. Hein? Le jeu est sorti en 2019.
quasiment 100 gigs. Prends pas une ordi incroyable pour jouer à ce jeu-là, en plus. Puis il lag de même. Et ben. Nice. Ok, on va voir. Thank you. Est-ce que c'est dégueulasse? So, Katya, where are you from? This is an oral. A couple of years ago, we heard there was this great place. C'est crissement dégueulasse, hein. On the Volga, so we made the journey. Je sais pas comment je vais faire ce jeu-là. Il est tellement buggy. Hi, Artyom. Oh, hello, la map est pas buggy, non? You did great out there, or so everyone says. So, Artyom, are you going to the port? Artyom, are you going to the port? And they say this place used to be great. C'est moins pire là. Quand même dog shit, mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais rester sur mon bateau. Oh non, non, tabarnak. Ok, on bouge là. Bouge là. On bouge, on bouge. Ah ouais. Ram, si, Artyom. Ram. Oh, tabarnak. Ah ouais. Ah ouais. Oh shit. Oh non, on est mort. C'est sûr qu'on est mort. Ouais. Ah, c'est de valeur que je lag de même, esti.
Il a l'air nice comme jeu en plus. C'est clair. Are you still here, Artyom? You really should. There you go, Artyom. As I always said, you lucked out with me. Whatever. Le jeu est tellement instable. Oh non. Oh, nice. Ouais, je pense que ça serait mieux que je débarque comme un petit peu avant. Un passage ici, on dirait. Oh. Là, ça lag plus du tout, là. Une armée de rails, bye bye! Vu qu'on est comme dans une caverne. Ça me défend, je sais pas quoi faire, police! Et voilà, tu m'as choisi quoi, moi je faisais quoi? Peut-être les pitons parce que crise discuté que le jour va rien pendant tout, peut rien faire. Puis on va pas recommencer au début, calice, s'il vous plaît là. Yeah fucking no! There you go, Artyom. As I always said. Fuck you, tabarnak, Chris. Fuck you.
Ça va l'air d'être par là qu'il faut aller en plus. Faut aller, je pèse des touches, mais je sais pas c'était quoi. Parce que la difficulté m'empêche de tout faire. Mec. Ah non. Eh, merci. Fait qu'il y a une cinématique, faut que je pisse les pitons. Parce que je sais pas. C'est ça que j'ai fait tantôt en plus, pis ça a même pas marché. Je vais pisser plus fort. Ah, les bonnes jokes, ça me manquait. Oh oh. Qu'est-ce que c'est? J'ai plus de maquette? T'es sérieux là? Non, c'est pas le temps de regarder là. Ta gueule. Oui, évidemment, faut aller qu'il soit devant la calice. Commence tout comme d'hab. Plus de maquette. Je faisais maquette. J'étais un. There you go, Artyom. As I always said, you lucked out with me. Et patience, Diode, patience. Non, non. Crane, tourne à gauche, good. Tourne à droite, on va dans le tunnel qui est là. On va à gauche un petit peu ici. On va esquiver ça. On va à droite, on esquive ça. Tabarnak. Ça prend 15 ans parce que c'est de la swamp. La bonne vieille swamp! Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller, ici. Oh, ah ouais, clairement. Notre premier contact avec une civilisation
Hors de Moscou est un échec total. Les gens du coin ont la technologie en horreur. Ok. On va pas aller de ce bord-là, il y a un zombie derrière la porte. Mais ça, je suis correct. On va aller ici à la place. Un message effacé. Dans d'étudier les plantes qui explosent, puis ça fait genre du. De la poudre. De la poudre de plantes. Alors, Anif, la bonne poudre de plantes. Tu connais ça, toi? Non? Il est parti. Ah, il est parti. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça. Je peux avancer, je peux reculer. Qu'est-ce qui se passe? Mon POV. Avance, esti! Ça marche pas, y'a rien qui marche, le jeu est calissement buggé, tabarnak! Le site calisse de tabarnak! Je vais pas sortir ma map. Nice! À date, j'aime vraiment le jeu. Vraiment le fun. Il est tellement bien optimisé, avec pas partout. La sécurité est bien faite. And its leader managed to trap me in their half-flooded church. They have no idea what they had done to me had they actually captured me. Et on recommence tout! Oh! Non, ça m'a remis ça. Huge. J'étais sûr que ça allait me recoller ici au village de tabarnak bogué de con. Je m'ennuie de Ranef déjà.
Je m'ennuie de son humour. Son enthousiasme. La vie était mieux qu'elle était là. Ah! Oh, allez, c'est vrai, c'est pas vrai. Ah, oh, ouais, pète sa gueule, là, c'est ça. Ok, ça vient, boum! Tiens, calice. Boum! Ah, oh, ouais, attaque! Fuck, qu'est-ce que je. Bon, là, je l'ai, là, je l'ai! Ah, là, j'ai pas eu. Ok, on recommence tout, comme d'hab. C'est que j'aime mettre ça, c'est tellement nice ce jeu là. Ah ouais, avance, si. Rentre à rame dans le cul, quoi, les Arkham, ma maman. Arkham. Tourne ton bateau. Un cul-sac. Ah non, il y a une porte là. Et bye bye! Ah ouais, putain, c'est mon chemin, quoi. Petite plante ici. Ouais, c'est posé là. Lumière fu. Ok. Et... Oh, c'est l'heure de... D'aller par là. Ouais. Ailleurs. Et là, ils ont pété de même, j'ai rien fait. Ils sont le fun à faire péter, ça fait comme des spores. Pouf. Oh oh. Je vais changer mon air filter, on est correct de même.
Je reprends ma canette. Je vais pas aller de l'autre bord parce qu'il y a un zombie qui va me voir one shot. Je sais pas quoi faire contre. Tant qu'on va pas par là. Allez par là, bord. Allez par là. J'ai arrêté de là. Puis ici, ben, c'est juste buggy. Ah! Et voilà, je suis buggy. C'est quoi ce style de merde de jeu là, man? Ça, c'est un bug majeur, là. Le Batchal. Le... On va l'appeler le Beta. Le Betachum. Bitchon. Bitchon bug. Le Bitchon bug. Ouais, le Bitchon bug marche encore. C'est vraiment un bon bug, esti. C'est vraiment un bon bug. J'adore le jeu. Il est pas bugué du tout. Il n'y a pas de problème. Y'a aucun keypad qui marche. Anyway, je sais pas si. Non. Y'a aucune touche qui marche. Ça marche pas. Ça, ça marche pas. Je fais chaque combinaison possible de. Je suis convaincu que le jeu est buggé ici. Je peux même pas sortir ma map. Je peux pas sortir la pompe. Je peux pas rien coller, fuck. Non, ah, c'est vraiment le fun. Aller par là, c'est pas grave. The locals were none too happy to see us here. Looks like after the war, they created a veritable technophobic cult here. Bon, mais je peux pas aller à gauche, c'est buggy, puis à droite, il y a un monstre monstre. I have no idea what they would have done to me had they actually captured me. Oh, mais là, attends. Je peux te sortir mon backpack, ça? Nope. Faut que je trouve une strat pour les petits zombies qui one shot. Mais je pense que je sais c'est quoi. Le piton. C'est le même piton pour donner un coup. Probablement. Là. Je vais essayer chaque piton, j'ai pas le choix. Je sais pas s'il faut que je fasse des pitons à certains moments là. Je
Je sais même pas le capitaine où je fasse. Je sais même pas si c'est faux, j'aille. Mais je pense que ouais. Pas sûr de colis, man. Non, faut pas je... non. Faut pas short site, non. Si je sors ici, ça va juste bugger. Complètement. Fait que je peux pas aller là. Par là, il y a un zombie qui one shot. Je sais pas quoi faire. J'ai beau appuyer toutes les calices de touche, ça marche pas. Mais je peux regarder lancer l'arme secondaire. Pour croucher, calice, c'est pas fait. Oh! Couteau de lancer, flèche en haut. Cette calice de pompe que je sais pas qu'est-ce que ça fait. Je me souviens plus que ça fait ça. Filtre masque. Ça va être une bonne celle-là. Prendre une photo parce que... charger l'action pompée. Maintenant, arme suivante, corps à corps, l'heure. Couteau de lancer. RB, arme maintenant. Lancer arme secondaire. Chumelle, briquet, vision nocturne, ouais. Tout de lancer. RB. Oh! Hein! Fait que là... oh tabarnak! Ok, attends une minute.
coup de lancer en haut, explosif à gauche, cocktail Molotov droite, l'heure en bas. Ok. Sti. Ok. Couteau de lancer, ça en haut. Fait que là, j'ai les couteaux de lancer. Pour lancer ça. Fait quelque chose, si! Wow! Come on. Bon kill. Un autre sacrament de bug de Calis. Oh mon dieu, qu'il y a des bugs! Il y a un bug ici de la porte qui ouvre. Pop open glitch. Je vais voir si c'est le même bug que moi. Non. Waouh, son jeu est tellement plus smooth que le mien. Ok, je pense que c'est. Metro Enhanced Edition là. Bon, on a des moins bons ordi, puis leur jeu run mieux. Fun, là. Pas choix. Ah, whoops. Je pesais tellement les pitons, calice, que ça a fait ça. Whoops. Ah, non, on commence tout. C'est pas me patcher par ça. Hey, Chris, faisais pas start là. Non, y'a aucune fucking touche qui marche. Nice. Je peux pas aller par là. C'est un one shot automatique. Nice. Le jeu est le fun.
pas le choix d'aller par là. Et c'est parti, on fait bugger le jeu. Encore! Ah! Et voilà, on recommence tout. Bugger. Puis en plus, faut maintenir la calice de boutons. Rien de plus fucking frustrant que ça, hostie. Pas juste peser, hostie, pis that's it. Ben non, faut que tu maintiennes le calice de boutons à marde. Rien de plus frustrant que t'es frustré. Défonce la porte, mais back, back, back. Avance pas, back. Ok. Un autre esti! Ah ouais, là! Tabarnak! Bon! Comment j'ai fait pour battre le style d'affaire au début? Oh! Je sais pas quoi faire, quand il y a la calice de cinématique, je sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, je vais muter. Je vais casser un mur de la calice, man.
Ok, prendre des notes là parce que faut que je teste chaque piton. Fait que c'était pas le pas de Kumili, c'est pas le Kumili. C'est pas lance la dagger. Je vais essayer de shaker le joystick gauche-droite, gauche-droite. Peut-être, c'est peut-être ça, je vais essayer ça. Ou en haut, en bas. Peut-être B lorsqu'il donne un coup pour crouch. Peut-être juste en haut, c'est peut-être juste en bas, gauche, gauche, ça peut être droite, droite, j'en ai aucune fucking idée du tabarnak, la difficulté est crissement mal faite dans ce jeu là, c'est dégueulasse. Je pense que c'est un des pires jeux que j'ai joué de l'année ici. Juste assez de shaker là. Gauche droite, gauche droite. C'est ce petit marde là, je sais pas c'est quoi. Ok, on va essayer de shaker gauche droite. Non, juste. Ouais, gauche droite. Je vais essayer B. Tourne calice de bateau, tourne calice de bateau. J'ai peut-être une idée. Je vais y aller avec le clavier là-dessus, pendant la cinématique. Moi, je spammer mon clavier, esti. Peut-être avoir une crise de touche qui va marcher. On va toutes les essayer ici. Ok, je peux faire ça. Là, je peux plus. Il n'y a aucune touche du clavier qui marche.
Ok. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est pas shaky l'écran. Je vais essayer comme ça ouvrir une porte avec X. Je vais pas essayer de maintenir les touches. Une autre affaire, c'est ça. Fait que je vois, ça peut pas être une touche qu'il faut que je prise ou à un certain moment. C'est quelque chose qu'il faut que je hold. C'est sûr du tabarnak. Je vais juste hold des X, c'est ça. Hold X marche pas. Je spam mes X d'abord. Hey, est-ce que maintenant il y a des X de tabarnak que j'ai coupé tuer, est-ce que... Ah, j'ai holdé que ça marche pas, esti. Ah, oh, c'est spammy, X. Ça a marché. Ok, c'était X. Nice. Oh, il est pas mort. Oh, il est mort. Qu'il faut, faut laisser pas mes X. Esti, prends ça en tout de suite. Spam X. Grosse case d'abord. Souligneur time. Ouais, c'est bon. Fait qu'il faut spam mes X. Ok. Ok. Vu que ça, c'est. Maintenant, je suis capable de. Je sais pas gagner l'autre en arrière. Là. Spammer X durant une cinématique. Je l'ai spammé en tabarnak, là. Ça a marché. Je devrais gonfler la pompe un peu, hein.
Ok, je pense que quand je gonfle la pompe, ma lumière est meilleure. On va aller à gauche. Ouais, ma lumière est meilleure quand je pompe la... Je pense que c'est ça justement. La lumière, là, c'est la petite pompe. Bye bye. Oh non, 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 non. Chaque canette compte. On garde toutes les canettes. Et bye bye. C'est quoi ça? On prend ça. C'est des loot. Pour crafter des affaires. Ok, ici c'est bien important de pas aller là. What? Une porte qui était ici, j'ai pas vu. Elle s'ouvre pas de ce côté-là? Mais de ce côté-là, elle s'ouvre. Je peux aller par un là, mais je peux aussi aller par là. Il y avait un ghoul ici qui m'a popé dans la gueule. Ça monte par là. Je peux aller par là-dessus. C'est mort là. Putain de zone radioactive ça. Il parlait pas de moi, lui. Non, ok. Freaking mutant! T'es avec moi, là? C'est beau. Hey, you down there! Hey, find the way up to the building's roof! I'll lower the crane for you! Oh shit! Deux minutes, là. Non! Ok. Peut-être perdre la grosse ici. Non, il tire-tu de la merde pour vrai, là? Oh, oh. Un moyen, en tout cas. Un moyen. Shot. Oh, les crèves, c'est ça? Oh, il tire des roches! Non, il y a toi! Oh, il m'a poussé en bas! Oh non! Non, je craque! Non, on monte en haut! Merde, non, non! Ok, on va. Checker mon backpack. Je vais essayer de me faire un medkit. Nice.
Et bye bye! D'ailleurs. Oh! Il m'a one shot! Mais bien sûr! On commence tout! Ah! Allez, c'est en place. Monter là-dessus. Tu viens de mon cul. Non. Au cave. Qu'est-ce que tu veux? Find a way up to the building's roof. I'll lower the crane for you. C'est ça que j'ai? Je sais pas. Oh, what the fuck is that? Hey! Ouais, mais là. Qu'est-ce qu'il y a là? Un shotgun aussi? Tabarnak, ça tire ça! Regarde ça. Ok. Là, je peux aller là. C'est pas assez monté. Bye bye. Il dit qu'il a fait descendre un ascenseur, quelque chose comme ça. Crane, c'est genre un... ça. Eh ben... ah, ok, c'est ça, c'est ça. Crane, c'est hein... ça a rapport avec le gros truc de construction là-bas. Ça là. Ah, ça monte encore. Okay. Comment faire du bruit? Hein? Oh non.
Comme moi. Tabarnak. What the fuck? Come up here, man! Comment tu veux que je monte là, c'est cave? Ah bon. Come up here. You're pretty amazing, Bratuha. That was crazy. I mean, those mutants are pretty hardcore. The villagers I never have a chance against them. You just cut through them, bleh. Well, it's pleasure to meet you. Name's Crest, by the way. Are you from the train? Bet the locals wouldn't even talk to you guys. Open fire right away, didn't they? Of course, those dumb bastards. I've been here long enough to know the drill. They have a cult over there. The dumbasses are hung up on technology having destroyed the old world. So they don't exactly take kindly to smart guys here. And me, well, they were just gonna lock me up until I agreed to go fight those electrical demons of theirs to absolve my sins. Because I was in cahoots with Satan, apparently, блядь. Some Satanist I am. I've been fixing engines and trading all my life. Now I'm moving to the east. Блин, I'm sick of this part of country. There's just nothing to do here anymore. The cities are gone. Bandits, beasts all around. Lots of space across the Volga, though. Plenty of opportunity. So, I came here with my rail car full of trading goods, hoping to make a few sales on the way east. What a fool I was. I was lucky to get out alive. Anyway, since you've arrived, I've been thinking of this little plan I had, never had a chance to pull off alone, but since you guys are also going east, now, judging by what I could see with my binoculars, it's a miracle your engine is still running. Oh, by the way, take the binoculars. I'll show you where everything is. What? Give me that. C'était LB... Look at the bridge first. See that section on top? It should lower if the emergency mechanism still works. Katya from the church should know better. I've never been to the bridge myself. There, to the right, that huge hangar. That's a terminal, bleh. The cult is considered a holy place, covered it all in graffiti, schmaffiti, their tsarfish lived there, you know, stupid bastards. Even further right, see the building near all those carriages? Used to be a train depot. There are some bandits there now, but the place itself ain't bad. Oh, the area nearby isn't too bad either. There's a good hunting and stuff. I set up several safe camps around there. If you find them, you could rest, fix your equipment, unless you prefer spending nights at an open campfire. Now, come on, let me show you my home now. Fait que là, LBY, ça. Il va montrer sa maison, lui là. Can't wait. Here is my cave. And this is where I live. Not a palace, one. Oh, here's a bed. So if you're tired, my home is your home. I made a workbench to tinker on. If you need ammo, grenades, there's some raw materials here. So help yourself. You can have anything you like here. Can't carry all the shit anyway. Come on, don't be shy. Ah, qu'est-ce que t'as pas cher, ta mère? Oh, anyhow, gotta tell you, this isn't just a pretty face. I've got a whole lot of knowledge stored up in me.
Look at these hands. They know how to fix stuff. You'll never have second thoughts about picking me up. Managed to buy some smokes from the villagers before the assholes chased me away. Oh, what the hell? Pigeons didn't like my life. I've been from the village and the bridge ever since. Ah, munitions de pistolet. Ah, je peux voir mes balles ici. Ben oui. Chevrotine. Comme des. But I guess you shouldn't start a fight with them right away. They are dumb and brainwashed, so they were probably just scared shitless by your arrival. Okay. I'll bet they thought Judgment Day had come and right on time too. Ce gun-là, man. You have nothing to fear from them. Yeah. The beast, well, that's another story though. Take these ugly mutant bastards from earlier, for example. One of them, it's nothing. But you come across a pack of them, or just run. I once had to drop all my shit to just get away, and I consider myself. Boussole? Woohoo, the motherfuckers are smart. Throwing rocks. Those things hurt like hell. Humans are always worse. Some bandits came here recently. I have no idea what they want. They didn't approach the bridge or the village even once. They just sit there waiting for something. But j'arrive de voir d'autres trucs, I know they're bad news, no? Villagers say people started going missing when the bandits come. Now you go fishing or something. Then you just don't come back. Ça prend 10 potions. Well, I could go on for ages like this. Your leader wanted something done. Just go on ahead. I'll gather some stuff here. I'll see you at the train. Fusil d'assaut. Je n'ai 48. Ça, je vais garder. Ça, c'est pas mon shotgun, j'imagine. 16, 6 potions. De lancer, c'est bon aussi, non? 0 potion, 10 la même, ok. Je vais en garder un là-dessus. Ok. Oh. Bon, ici, il n'y a pas de. Clairement pas de. Radiation. No, you could take the zip line down. Just hook up and away you go. Ok. X. Ça s'ouvre-tu? Non. LBO, c'était quoi ça?
Y'a un gars là en bas, man. Ben important de reprendre mes... Voilà, Yooch. J'entends un esti de monstre là-bas. Ok, on arrive de là. Mais là, il veut que... What the fuck is that? C'est l'esprit de grand-papa! What the fuck is that? Ça a bien l'air violent, ce grosse menthe-là. Ta gueule! Oh, one shot! Ah, blue! Ah, blue, blue, blue! Ah, blue, blue! Ah, blue, blue! Oh, je suis mort! Oh, je suis mort! Écoute, il passe au travail! Bye bye! I know there are bad news, huh? Oh non! Villagers say people started going missing when the bandits got. Sérieux, well, you go fishing or something, and you just don't come back. Well, I could go on for ages like this, but your leader wanted something done. Tabarnak, ça l'a pas toutes ces villes les goules j'ai tué en bas là. I'll see you at the train. No, you could take the zipline down, just hook up and fuck off, man. C'est parfait en plus, je les avais toutes bien tuées là. Petit drop. Ok, on va gonfler la lumière.
C'est ça qu'elle fait la petite pompe. Elle gonfle la lumière. Bon, ici, il n'y avait pas de loot. Ouais, nice. Je sais pas c'est quoi, mais c'est un loot. Un petit peu. Je pense qu'il s'en vient. Je crois qu'il va monter les marches. Non, il campe là, le petit calice. Je suis dans l'estime. Oh non.
L'anomalie là-bas. Oh non. Je touche pas à ça, c'est. Ok, fait que ça c'est des crafting tables. Il y a une sale anomalie à côté. Ça? Ah, je peux dormir! Ah, je savais pas, je peux faire ça. Qu'est-ce qui arrive? Mon bonhomme, il relaxe? Qu'est-ce qui arrive? Relax. Oh, ah ouais. Sleep. Oh non, si. Ah, j'ai fait. J'ai essayé mon curseur. Ça doit en fait un sauvegarde, ça. Mais là, à l'extérieur, man, y'a... cette petite grosse affaire-là. Y'a une anomalie très anormale. Oh oh. Elle va pas y aller, est-ce que... Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? What the fuck? Hey! Hey! Artyom, I heard you call me. It was so great there. But I heard you and couldn't leave you. Okay, well.
Ah, pas eux, son retour, aussi. Ça va être long qu'on va être rendu, je crois. Pour la prochaine partie de Metro Exodus. On a réussi à rendre le jeu jouable. Fait que je vais pouvoir le terminer comme ça, là. Mesdames et messieurs, j'espère vous revoir dans la troisième partie de Metro Exodus. Toujours à la dernière difficulté qui se trouve à être Avenger Hardcore, Full Dive, no hints. Mais il donne des hints pareil dans le menu. Et no crosshair. Full Dive. J'espère vous revoir dans la troisième partie. Faites attention à vous, restez légers, restez vous-même et surtout, keep on giving. Bon, ça c'est fait. Pour ce jeu-là, man. C'était pas... Au moins, on a réussi à avancer un peu, là. Au moins ça. Oh. Qui fragmente. Je vais juste voir combien de kills j'ai. Ah, j'ai. Nice! Un beau skin. Avec Bard en plus. Petit skin avec ce bonhomme là. C'est huge. Huge. Mais là, comment je vais faire pour avoir des coffres?
Ah, au moins je suis content, j'ai un petit peu de progression dans Metro Exodus. Là. Ce petit jeu là. Je pense qu'il va être long. Ah, un centre d'entrée à 16 août. Ok. Après, j'oublie ça. C'est pas qu'on fait, on en est bon. Okay. Deux Q skip de suite. Oups,
seconds until Union spawn. Oh, okay. Were our powers already inherited from the god weapons? On avait deux qui ont skip.
Ok. Qu'elle fait sur place, man. Et voilà, déjà qu'à back. Nice ball. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est correct. Will soon fall.
Ok, ça va être huge. Teammates are. I should ask them to train with me later.